Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre. Et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus: Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence. Et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu.